se retrouve dans une vidéo dans mes pochettes. J'ai passé cette commande au mois de mai. Je vous tourne la vidéo que maintenant. Alors, je vais envie de soleil et voilà, il y a des collections qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Et puis surtout, j'avais envie d'un Happy Planner qui me tapait dans l'œil depuis au moins 3-4 mois. Et je me suis décidée à l'acheter. Alors, on va commencer d'abord par les die cuts. Donc, j'ai pris des die cuts de Florilège Design de la collection Dolce Vita. Donc, très très estival, comme vous pouvez le voir. Plus par là. Voilà. Bon, vous voyez le prix, c'est marqué dessus. Donc, comme ça, pas besoin d'aller chercher. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc j'aime beaucoup ton coloré Peps. Je vous en mettrai certains, hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Donc par exemple, hein, Dolce Vita, évidemment. Et là, elle n'est pas belle cette machine à écrire. Des petites étiquettes, hein. Le plein d'amour, des petites tailles, celui-ci il est magnifique, les citronniers, les perluettes et tutti quanti, hein. La jarre avec ça peut être, il y a de la menthe, il y a de la fraise, hein, donc sirop de fraise menthe, hein, infusion de fraise et de menthe, la citronnade, ça me rappelle une collection de Margot Création. Et voilà, en gros, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai pris un lot de 100 étiquettes. Hein, toujours chez Florilège Design, parce que en fait là ça fait vraiment un style vraiment étiquette, hein, donc pareil, vous voyez le prix, vous avez dans les tons de rose violet et dans les tons mint et jaune citron. Voilà. Toujours envie de couleur chez une designeuse que j'adore, Vicky Boutin. Donc j'ai pris ces stickers. Normalement, voilà. Voilà. Donc elle, c'est vraiment la reine de la couleur. Tout ce qu'elle fait. J'ai des collections entières d'elle auxquelles je n'ose même pas toucher. Tellement que je trouve ça magnifique. C'est complètement ridicule, je sais. Mais voilà. C'est vraiment là où le mot collection prend son sens. Et là ici, il y a des mots en anglais. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Et ça, on peut le réutiliser. Voilà. Bon, je vous remets ici l'ensemble du contenu. Voilà, donc les épingles. Enfin, bon. J'ai utilisé rien du tout. J'ai acheté également, alors, de chez P13, hein, donc c'est une marque que je connais pas, une marque polonaise. Donc, ces stickers qui sont, pareil, étiquetés sur le thème été, étiquetés n'importe quoi. Donc, des stickers autour du thème de l'été, de la plage, des vacances, etc., etc. Voilà, donc j'aime bien pour les couleurs. Là par contre, il n'y a pas le prix. Toujours chez P13, hein, on va passer au papier, c'est pas grave. Il y a cette collection Summer Vibes, donc les ondes de l'été, en français, en gros. Donc j'ai aimé pour évidemment le van, hein, qui fait très années 70. Là ici, vous avez des découpes à faire. Et je crois qu'il n'y a qu'un exemplaire. Non, pas qu'un exemplaire. Je crois qu'il c'est en deux exemplaires.
Non, c'est voilà, il y a 6 designs, il y a 4 feuilles à chaque fois. Et c'est du 240 grammes de papier. Donc voilà, et c'est des feuilles recto verso. Écoutez, on en montrera le verso après. Donc avec la pastèque, là on peut faire des découpes. L'arc-en-ciel, là c'est des étiquettes. Là c'est la carte du Pacifique et de l'Atlantique. Et ça revient, voilà. D'accord? Donc je vous fais les versos. Là donc on a le reste du monde. La plage, les vagues et cet effet 3D qui est sympathique à ma foi. Donc là, c'est des découpes d'appareils photo, les palmiers, les feuillages, des petits pois. Le Walkman, même si c'est plus trop, mais c'est vraiment esprit années 80 là. Hein. Et voilà pour ceci. Plus pour le côté Project Life, j'ai pris de chez Sokai. J'aime bien cette marque. J'ai acheté des tampons, j'ai acheté des pochoirs chez eux. Donc là, c'est 3,95€. Donc ça, ce sont des cartes qui peuvent servir au Project Life ou dans les envois. Et donc vous avez une, deux. Donc c'est en double à chaque fois. Donc là, vous avez ces étiquettes. Retour aux sources, envie de nature, The Earth Loves in Flowers, Changer d'air et Jardin fleuri. Bon, alors ça, je suis désolée pour mon anglais. C'est les rires de la terre dans les fleurs, en gros. Et derrière, vous avez Imagination débordante, Sortir et profiter. A kind world is like spring day. Je me fais rire. Le sacre du printemps. Look for something positive in each day. Yeah. Oh là là. Je plains les pauvres anglais qui vont m'écouter. Diversité botanique. Donc, en anglais, ça veut dire... attendez, celui-là, je lis à l'envers. Un mot gentil est comme un jour de printemps. Et regardez le positif chaque jour. Voilà. Donc ensuite, on a cette carte-là. Et au verso, c'est ceci, ce dessin. Donc, des tulipes dans un pot. Ensuite, on a cette carte-là et au verso. Donc, je reprends. On a été coupé. Je pense que ma carte est pleine. Donc, de chez Shoe and Flower, j'ai craqué pour ce tampon et fait quadrillage sur une feuille déstructurée. Ça évite de faire des traits soi-même à la règle. Voilà. Sur du art journal, sur des cartes. Ça peut être sympa. Et voilà, je voulais attendre, mais j'ai pris la machine à écrire de la collection. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Voilà, intuition créative, j'allais dire imagination. Intuition créative. J'ai pris pas mal de cette collection. Et je n'avais pas pris la machine parce qu'elle n'était plus en stock sur le site de Shoe and Flower. Du coup, j'ai trouvé dans mes pochettes et j'ai sauté dessus, j'ai même pas réfléchi. Voilà. Donc, les tampons, voici comment ils se présentent. Pour faire du art journal, pour faire des créas avec encre à alcool, etc. Ça va être top, top. Enfin, non, toujours dans les dyes, enfin, bon, pas toujours parce que je suis passée aux tampons. De chez Laura by Laura, je n'avais aucun die grand comme ça pour refaire le Project Life. Donc j'ai pris cette planche de die de chez Laura by Laura. Voilà ce que ça donne en grandeur normale.
Voilà, donc j'ai craqué pour. J'ai craqué. Non, j'ai pas craqué. C'est un achat raisonné. Parce que, je vous dis, il y a plusieurs mois que je l'avais vu. Bon, je l'ai pris. C'est un Happy Note. Un Happy Note. C'est pas un Happy Planner. Happy Note. Je pense que je en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un journal, en fait. Donc là, dans celui-ci, il y a quatre intercalaires. Voilà, vous avez des feuilles de notes comme ça. Donc vous pouvez avoir que ça, mais ici c'est un happy journal. Donc en fait, à chaque fois vous avez des questions. Aujourd'hui, c'était comment? Ce que j'ai trouvé chouette, ce que j'ai trouvé génial, ce que j'ai aimé ce jour. Donc moi je ne vais pas forcément utiliser ces pages-là pour ça. Je vais plus utiliser les pages de notes et je vais en rajouter d'autres que j'ai par ailleurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les marguerites, parce que j'adore les marguerites, les coquelicots, enfin bon, toutes les fleurs sauvages en fait. Hein. Et voilà. J'aime beaucoup ces intercalaires. Voilà. Bien, je reprends parce que mon téléphone a encore coupé. J'ai essayé de vider un petit peu ce qui alourdissait. Donc, je reprends. J'ai donc craqué pour cette collection So Bloom de Sokai. Je n'ai pas tout pris. J'ai pris quelques feuilles. Donc, voilà. Surtout pour ce côté, en fait. Hein. C'est très printemps japonisant. Ceci. Ici. Là, on peut découper les papillons, les insectes pour décorer nos créas. Là, on peut découper, ce sont des cartes qu'on peut mettre en Project Life ou dans des Happy Mail, etc. Voilà le dos. Et ici, c'est vraiment des grandes cartes, pareil, qui peuvent servir de couverture de mini-album. Donc voilà, le verso peut servir de couverture de mini-album. Par exemple, celle-ci, hein, on la coupe et on la plie en deux. Voilà, d'embellissement. On peut garder cette bande-là ou découper chaque élément. Ensuite, pour terminer, tout à l'heure, j'avais vu les die-cuts de la collection Dolce Vita de Florilège Design. J'ai longtemps hésité et je me suis décidée à prendre le kit papier et die-cut, donc die-cut, étiquette. Donc il y a 8 papiers imprimé recto verso et des étiquettes. Donc voilà, c'est même ça là, on peut reprendre, garder et en faire quelque chose vu que le papier est épais, c'est pas un simple papier tout fin. Donc je vous présente les cartes. Voilà, le verso, ce sont des abeilles. La citronnade. La citronnade. Vous la voyez, la citronnade? Avec ici des mots qu'on peut réutiliser. Donc, illustration parfaite du bonheur. Et même des petits zigouigouis là, qu'on peut réutiliser. Voici le verso. Et là, vous avez savouré chaque instant, chaque minute, chaque seconde, car le temps est précieux. Donc ça, c'est bien qu'on a toujours cette petite bande là qu'on doit enlever, qu'on puisse la réutiliser en fait. Donc, oh, une autre, mais en rose. Donc, instant suspendu.
Elle est trop belle cette collection. Là, on dirait de la glace. Gros plan sur l'essentiel. La vie, la vraie, celle qui nous fait vibrer. Une page mint. De l'émotion dans un regard. Et derrière, l'effet macramé. L'amour, une aventure aux mille et une escales, autant couleurs. Et effet macramé ici. Et on a donc les étiquettes avec ici le mot photo insolite. Donc voilà, tac tac tac. Et derrière, c'est de la lavande. Et la phrase, c'est fragments de vie immortalisés sur nos plus beaux clichés. Là, on est dans un champ de boutons d'or. Ma bulle de bonheur. Derrière, des appareils photo, du plus ancien au plus récent. Et la phrase, c'est « Feuilleter les pages de notre histoire comme un livre aux pages écrites à l'encre éternelle. » Sinon, voilà pour le reste. Et, non, pas, rien, pas enfin, c'est l'avant-dernière page. Donc, encore des cartes qui reprennent un petit peu tout ce qu'on avait vu précédemment. Des étiquettes, avec des mots, ça va jusqu'en bas. Et en plus, petit quotidien illustré. Je lis à l'envers, hein, donc c'est pas très évident. Et là, c'est Dolce Vita, moment de bonheur au grand air. Qu'est-ce qu'il y a? Profiter de chaque instant, ensemble, moment à nous, etc., etc. Et là, c'est toi, mon oxygène, ma bulle de bonheur, mon précieux. Voilà. Et enfin, une page de feuillage avec collection de souvenirs et derrière un quadrillage avec tant de raisons de sourire parce que chaque bonheur partagé est un privilège. Et oui, vous comprenez pourquoi j'ai craqué pour cette magnifique collection de Florilège Design. Donc voilà pour ma commande qui datait donc du mois de mai. Et j'en profite parce que c'est toujours dans mes pochettes pour vous présenter le kit Project Life du mois de juin. Donc en fait, Perrine rassemble. Perrine, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est la personne qui est gérante de la boutique dans mes pochettes. Et elle concocte chaque mois plusieurs kits, hein, donc kit Happy Planner, kit Bullet Journal, Happy Planner ou Bullet Journal, et kit Project Life. Donc pour le mois de juin, voilà ce qu'elle nous a réservé. Donc un tampon de mes petits ciseaux, Keep Life Simple and Smile, ce qui veut dire fait de... vit une vie simple et sourit, enfin, garde une vie simple et sourit, et gourmandise les macarons. Voilà, voilà. Ici, on a des cartes, je suppose, en vellum, découpées en vellum.
Si je mettais un endroit, ça serait peut-être mieux. Voilà. Avec les fraises. Les agrumes. Là, on a une découpe de wabi-sabi. Je découvre en même temps parce que j'ai pas le temps de regarder. Ben, on a les 3 mois, donc là on a, c'est parfait. On a, attendez, on a un petit papier, on verrait mieux. Mai, juin et avril. Donc en, je sais plus comment c'est la matière, résine, pas résine, je sais plus comment ça s'appelle. On est en direct. Voilà. Donc avril, mai, juin. Donc là c'est parfait. Des stickers. Ah bah P13, la marque polonaise qu'on a vu tout à l'heure. Avec les jours du mois, hello, week-end, etc. D'autres stickers de chez toujours P13. Donc là, c'est plus sur la nourriture, hein, parce que je vois dessert, coffee, kitchen queen, lunch, dinner, pizza, food truck. Voilà. Donc autour de la table. Là. En anglais, c'est around the table. Donc voilà. Là, tout un lot d'étiquettes stickers. Relax, été, enfin voilà, soleil, soleil, soleil. Et enfin, tout un kit de papier. Donc de chez Wabi Sabi. Donc il y a 18 papiers imprimés recto verso. Il y a 36 cartes en. Là, c'est marqué en pouces, donc 3 pouces x 4 pouces et 18 cartes en 6 pouces x 4 pouces. Je dis pouces, mais c'est inch, c'est pas grave. Coco loco, voilà. Coco loco, wabi sabi. Donc, on y va. Donc, à découper. Donc là, c'est les grandes cartes de projectile. Et là, en fait, en gros, c'est les petites. Format classique. Et au dos, c'est comme ça. Donc, avril fleuri. C'est bien comme on est en retard. Il y a plein de trucs sur le printemps, en fait. Avril. Home sweet home. Je sais pas trop si vous voyez bien, en fait. Ouais, donc je passe assez rapidement. Se rappeler. Donc là aussi, on peut les utiliser pour autre chose. Hein, parce que je pense pas que j'utiliserai toutes ces cartes là. Ça fait beaucoup. Donc là, c'est le mois de mai. Les recettes. Hein. C'est vraiment sur tout ce qui est la table. Hein. Voilà. Pas mal cette tasse. C'est respirer le monde, je suppose. Ah non, refaire le monde. Ah, alors là, cette carte-là. Ça, c'est un signe. Aucune excuse qui tienne. Et oui, alors là, autour du sport, il faut. Parce que retour à la vie sociale, après un an de sédentarité, ça fait mal. Le mois de juin. Relax. Netflix, ça c'est petit clin d'œil à une scrap copine. Ah, des bouquins. S'évader vers d'autres mondes. Bah tiens, je pense que là, il y a plusieurs cartes que je vais m'afficher sur mon bureau.
pour ce mois de juin. C'est déjà l'été. Oui, bientôt. Dans une semaine. Moment zen. Et voilà. Là, c'est la fin. On peut réutiliser aussi. Donc voilà pour le kit de ce mois. Donc ce qui est bien, c'est que les kits chaque mois sont tous différents. Il y a différents contenus. Ça change et on a toujours la surprise du coup. Voilà, bah écoutez, j'ai envie de terminer avec de la couleur. Donc on va terminer avec cette page. Et cette page. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit coup de pouce. Un petit clin d'œil pour la boutique Dans mes pochettes qui fait partie d'une de mes boutiques favorites. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.